Voilà, comme ça. On y croit. Normalement, c'est bon. J'ai dit normalement, c'est bon. Ça va venir. Ah, je peux mettre la zizik. Non, on va attendre que le programme réponde, on s'en fout. Là, par contre, je peux mettre de la zik. C'est bien, on va pouvoir papoter. Tiens, si on se faisait une vocale ouverte pendant les bibis, ce serait sympa. Allez hop, je veux bien bavarder avec vous. Direct Twitch. C'est pas du tout ce que je voulais faire, il va me faire sauter le bordel. Donc les VIP peuvent venir. Ta-ta-da. Oh, bah j'ai l'autre œil qui pleure maintenant. Ouais, on va s'en faire 16, allez hop. Oui. Bien pour la citation. Ah, coucou Edge. Ah oui, mais attends, avec le son de la musique, on va peut-être pas entendre grand chose. Comment ça va? Bah, ça va, merci, j'espère que toi aussi. Bah oui, ça va. J'ai un peu, je t'avoue, les sinus qui me travaillent. Faudrait que je me fasse un bain de nez, là, les sprays dans le pif pour laver tout ça. Je vais sûrement me faire ça au moment de lancer le Schmilblick. Marble Santori. On va mettre mon dojo que j'aime bien. On va mettre Frozen aussi. Je sais plus c'est laquelle dojo. Ah, c'est la 18. La communauté. Il y a un succès sur 7 Days to Die. Ah. Alors moi j'y rejoue plus à 7 Days to Die. Le jeu est excellent mais il est ultra addictif. Je vous rappelle que la dernière fois que j'avais voulu y jouer, il y avait une mise à jour super intéressante, mais il y a des années de ça. Il y avait une mise à jour super intéressante, et je me dis, tiens, sur mes 15 jours de vacances, je vais y consacrer 3-4 journées. J'ai joué pendant les 15 jours. Ce qui était pas forcément bien à l'époque, parce que j'avais d'autres choses à faire. Bon, honnêtement, c'était sans conséquence, à part que j'étais à la bourre dans mon planning, on va dire, du mois. Mais voilà quoi. Save my soul. Oh Pierre Troutman! Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Allez zou, on va faire joujou avec les boules. Ouais, je vais bientôt manger puis je vais là. Tu fais comme tu le sens, mon cher Edge. Je fais un petit scutaille. Ok. Bon, allez, je fais juste la première course pour dire. Voilà. En bi classique ou en bi. J'ai tué 10 zombies. Voilà, je suis heureux. C'est bien. Par contre, faut que je fasse gaffe à pas trop me prendre de coups. Sinon. Allez-y, placez vos bibis. Faut que je trouve un abri, tout ça. Il faut que j'arrive à jouer plus longtemps, comme ça je vais bien comprendre le jeu. Oui, ah oui. Bah à l'époque déjà il y avait plein de subtilités à maîtriser, mais aujourd'hui je n'ose imaginer ce qui est devenu, ça c'est une vraie tuerie. Qu'à le dire. Pierre Troutman, j'adore, qui dit hello ma petite princesse Nashevman. Ah, mon truc pour le pif, il est au loin. Pardon, excuse-moi, Jay, tu disais. Bah, le jeu 7 Days to Die est encore en alpha. Oui, c'est effarant, hein, mais c'est, il est énorme, ce jeu, il est énorme. Si vous aimez les jeux post-apocalyptiques, zombies et en 3D, foncez dessus, il est énorme. Il est vachement bien fait. Déjà, et en plus, j'y ai joué qu'en solo. J'ai jamais fait de partie en multi. Ça doit être trop bien en coop.
Mais en solo, le nombre d'heures que j'y ai passé, j'ai adoré. Oh mon dieu. Ça va vite, dis donc. Attendez, je reviens, je vais aller me chercher mon débouche-nez, là, 30 secondes. Ah, c'est le truc pour aussi déboucher les toilettes. Voilà, je suis animateur, c'est animateur, voilà. Votre destin est entre mes mains, attention. Je vais tuer les zombies. Je vais défendre la veuve et l'orphelin. Et je souffre d'une commotion cérébrale magnifique. On fouille un peu partout. Oh la vache. Ah oui. Oulala. Étape détruite. Polymère recyclé, pièces mécaniques, kit de couture. Alors je vous confirme, j'avais un truc dans le pif. Parce que quand je me suis injecté, je l'ai senti. L'eau qui m'a... Oh là là, oui ça me fait bizarre dans la narine. Je me suis fait qu'une narine parce que je sais que j'en ai qu'une qui est affectée, pas la deuxième. Vache. Bravo Fanfan. Fanfan, Christella, NJ, ah bah t'es troisième. Pierre Troutman, El Chito Bob, enfin El Chito Bob, moi-même Dasheman et Twinson. Carte suivante. J'ai marché sur un truc. Ah, même quand on marche sur les cadavres au sol, sur la route, ça fait un bruit. C'est génial. Berk. Le réalisme. Point d'exclamation play. Réalise sur la route. Alors, avant qu'il y ait la mise à jour, moi, le 7 Days to Die, j'ai connu qu'il fallait même gérer les odeurs. Si tu pouvais tomber malade si tu consommais pas les bons trucs et t'avais la diarrhée. Et le problème, c'est que d'avoir la diarrhée, ça attirait des monstres parce que tu te faisais dessus et ça sentait. C'est terrible. Hein. Je sais pas s'ils l'ont remis parce que lors de la mise à jour, ils l'avaient momentanément retiré. Je sais pas pourquoi. C'est bien, on voit, vous voyez la journée, surtout l'après-midi, l'agitation du début. Et là, on glisse tout doucement vers les trucs. Bah, ça y est, j'ai le nez qui coule du coup, comme j'ai chargé en flotte le nez. Pardon. On se laisse glisser tout doux par les loisirs des bibis tranquilles, et puis on va aller sur X-Files dans 2 heures chez FunFan. Ce sera bien. Et le chat, il est vachement bien fait. Catch your day. Aïe, j'ai le nez qui coule maintenant. On fait que ça m'est rincé le pif. Original, les pales. Ah oui, alors. J'étais pas content et c'est vicieux de la part du jeu de Bibi. Souvenez-vous, j'avais acheté un kit de saison pour faire mes propres circuits et faire mon niveau. Sauf que la saison s'est terminée, comme j'y joue quasiment jamais, là, à essayer de faire mon niveau hors antenne. J'ai voulu recharger mon niveau, mais la saison étant finie, il me dit vous avez plus rien, puisque les dalles étaient issues d'un achat de trucs de saison. Donc j'ai dû réinvestir mes petits sous-sous durement gagnés pour pouvoir racheter un kit quasi identique en fait et refaire un niveau. Donc c'est chiant. Là j'ai pas fini de tester les différents éléments. Et j'aime bien, je suis à mort la caméra avec une scène, ça donne des vertiges là, c'est... Attends, faut aller par là-bas. Et bref, c'est dégueulasse, et si j'ai pas fini de tester les éléments, que j'ai pas fini de construire mon niveau, que je l'exporte pas, bah, je suis pas prêt de publier un nouveau niveau, quoi. C'est chiant, c'est limite ce qu'il faut pas se dire dans le calendrier, je bloque une journée complète pour faire un niveau de bille. C'est un peu abusé, quoi. Moi qui voulais jouer de temps en temps un petit peu et avancer une demi-heure par demi-heure, bah tiens, le jeu il me dit va te faire voir. Christella remporte cette course suivie de Nashevman et de Twins. Et nous avons moi et FunFan ensuite.
L'habit secondaire d'ailleurs qui est en train de se promener dans la vasque principale. Oh là là. La 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 la. Bien joué, Christella. Et B. Oh là, 23 secondes, il y a des records mondiaux, mais il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Ah, ah, la grande classique du siège du château. Celle qui dure 3 plombes. Allez, placez vos bibis. Point d'exclamation. Play. Attends, la musique. Oh, je peux pas la faire un chouïa plus fort. Ambiance discothèque. C'est bon, ça. Ouais. Bah alors, j'ai que Nash et Twinsen avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Funfan? Tu t'es vexé? Ah, Christella arrive. Oh, bah on est que 4 alors. Funfan a été interrompu. Trop tard, mon cher Funfan, trop tard. Mamie merde, je suis plus dans le... Oui, Pierre Troutman, trop tard aussi. Oh. Ouais, la pelle de la purée est plus forte que les billes. Et c'est pas comme si j'avais mis 60 secondes hein, pour que vous puissiez passer votre vie, c'est quand même terrible cette histoire. Bam, 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 bam. J'ai du mal avec le play, ouais. Oui, parfois il y a des correcteurs orthographiques qui sont pas cool. Et le point d'exclamation play, il vaut mieux le pré-enregistrer sur son terminal informatique, quel qu'il soit. J'ai un clavier chinois. Made in China. Le chemin est bien parti. Oh, Nashevman, je me demande si t'as pas battu le record de El Chitophone. Ça te joue à une seconde. Énorme. Wow. Alors, Twin Sen est dans la bonne dynamique, mais trop tard, j'ai envie de dire. Bon, ma bille, elle a giclé, tant pis. Et Christella va sûrement fermer la marche. Du moins, on lui souhaite. Ah, il y a encore une petite trotte à faire pour la bille de Christella. Oh, je te vanne. Non, non, mais je pense que ton record local est tombé, Funfan. Si t'avais fait 2-3, là, il a dû faire 2-2, Nash. J'ai l'impression. On va vérifier ça une fois qu'on sera à l'arrivée. Allez, Christella, il y a un podium au bout.
El Chito est moulu. Moulu. Eh ben, GG Nashelman. Oh oui, 2-0-1-236. Tu bats un fan de 2 secondes. Voilà, et saison désactivée. Donc saison désactivée, il n'y aura pas de podium, ça va être chiant. Et moi, mon truc que j'ai acheté, je l'ai dans l'os, quoi. Ils sont chiants avec leur saison ultra courte, ça m'énerve. Oh là là, j'espère que le jeu, dans les années à venir, il n'y aura plus de saison et ce sera tout le temps actif, parce que ça me gave. Aïe, 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 ça devient jouable, le truc. Allez, point d'exclamation, play. On va dans le système soleil. Vous avez une minute pour faire point d'exclamation play et placer votre bébé. Là, je dirais qu'on a le record ultime de Fun Fan en proche du record mondial, hein, je vous le rappelle. C'est pour ça que je la remets à chaque fois, parce que... Est-ce qu'on peut faire mieux que le record de Fun Fan et battre un record du monde? Ce serait monstrueux. Yo play. Oh là là. Vous n'allez pas vous ruiner avec ça. 15 secondes, placez vos bibis. Ah, Pierre Trutman, ce farceur. Bah alors, oh. Ça fait très loto comme ça. On se fait flipper, on se met à râle. À la râle de la glisse, c'est rigolo. Bien, on voit que je suis acheté mon petit nuage avec un arc-en-ciel pour annoncer mon pseudo. Au moins, ça a l'avantage d'être intersaison. Je le garderai, c'est cool. Les pros n'ont qu'une seule bille. Mais sinon, Pierre Troutman, je me permets de te poser la question. Ton rythme de boulot a baissé, ça va, c'est plus relax, tu peux souffler un peu, ou c'est toujours... Tu carbures à fond, là. Prise de vitesse, c'est beau. On fonce sur Uranus. Carbure à fond, oh la vache. Bonsoir Delta. J'espère que tu vas bien ce samedi soir. Ayam est venu chez moi début de semaine. Ah, c'est sympa ça. Sauvegarde. Ah, Zentix. Bonjour Zentix. Bah, je me suis déjà rassis il n'y a pas longtemps, mais ça va, j'espère que vous aussi. Ouais, dans l'ensemble, on va bien. Ouais, merci. C'est cool. Mais par contre, boire un coup, je veux bien Zentix. Bonne idée. J'ai cru que ma bille allait gicler dans le décor, mais non, en fait, elle est plus loin. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue.
Eh oui, bienvenue à l'intéressé, merci. Non, la trajectoire. J'ai cru qu'elle allait passer tout droit entre les pistons. Sans se faire influencer, mais non. Gatita garralita, come sola funzione. Comenzo caseria, cinturita in action. Gatita garralita, come sola funzione. Ah bah j'ai gagné. Comenzo caseria, cinturita in action. Gatita garralita, come sola funzione. Et le record est pas battu. La chef man. Ah, Christella, t'es... Ah bah c'est bon, tu viens d'arriver. Ouais, non, le record est pas battu, mais le rythme était bon, franchement. Ah, Frozen. Attends, je t'entends même plus avec ta musique, c'est horrible. Oui, d'ailleurs, je vais la couper pour bien t'entendre, pardon. Je vais te faire répéter, tu disais, mon pauvre AJ. Oui, y'a pas de soucis. En fait, dans Seven Days to Die, je suis arrivé où je suis les directives. Il me dit de construire je sais pas, un espèce de cube, de le placer et ensuite de l'améliorer. Je ne sais pas comment l'améliorer, c'est pas expliqué. Alors, en fait, normalement, il faut que tu poses un cube en bois, je crois. Et il faut faire un clic droit en ayant l'outil en main. En faisant clic droit sur le bloc avec l'outil en main, tu vas le fortifier. Mais il te faut de la matière surtout, il te faut des branches, il te faut du bois. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, le principe là qui est basique est super important dans le jeu. Pourquoi ? Parce que tu vas subir des assauts zombies. Et merde, ah, c'est vrai que j'ai plus le focus sur la fenêtre. Tu vas subir des assauts zombies et... Il va falloir réparer souvent. C'est une partie phase de stress quand tu te fais repérer et qu'ils veulent te bouffer. Ça peut donner lieu à des scènes très drôles si tu gères bien ton truc. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait une fosse avec des pics au fond et j'attendais à la base de la fosse. Et en fait, je voyais les zombies lors d'une nuit sanglante où ils te cherchent comme des fous furieux. Je les voyais tomber comme des cacas et se sentent paler dans les pics devant moi. Ce qui était vachement pratique, mais le problème c'est que les pics s'esquintaient au fur et à mesure que j'avais des corps qui s'embrochaient dedans. Donc il fallait entretenir le système en temps réel en évitant de se prendre des zombies dans la tronche. Il y en avait quelques-uns qui tombaient à côté. Et après, je te dis pas au petit matin quand la nuit sanglante est passée, la récolte, le bonheur. Au milieu des boyaux, là, des restes des ennemis, t'avais, mais alors, des trésors, t'avais plein de matos. Évidemment, ils en avaient plein les poches. Mais c'est vraiment un principe à maîtriser, le fait de fortifier, de réparer, même d'ailleurs, c'est le même geste. Réparer des éléments de construction dans ta bâtisse. D'accord. Ouais, je suis vraiment pas sûr d'y arriver en solo. Mais... Te mets pas la pression, fais-toi plaisir. Comment je pourrais. Alors, je sais pas si les règles sont valables, puisque j'ai pas joué depuis Perpète, là. J'ai pas joué depuis l'arrivée de la pandémie. Alors, je n'ose imaginer le nombre de nouveautés qu'il y a dedans maintenant. Mais le bon plan, en fait, c'est comme dans Project Zomboid, c'est quand tu peux t'isoler dans l'étage d'une baraque ou d'un immeuble, peu importe. Tu peux te barricader dans tout un étage et tu peux péter l'escalier, mais tu te fais un accès par échelle qui est planqué. Éventuellement avec un saut à faire pour bien casser, tu sais, la dynamique de l'intelligence artificielle et des zombies qui puissent pas coordonner leurs gestes, hein, c'est des zombies. T'es peinard dans ton étage après. D'accord.
Je sais pas, tu vas en ville, si t'as la chance d'être apparu en ville, t'es pas en pleine brousse, tu vas dans un petit immeuble de 2-3 étages maxi, éventuellement tu prends le dernier étage tout en haut, tu te fais même un accès sur le toit. Alors, je te dis rien, mais il faudra que tu sois prudent tout le temps, mais c'est le meilleur des scénarios. Tu te fais aussi une échelle pour aller sur le toit, et le toit, tu peux t'aménager un jardin, par exemple un potager, s'il sera arrosé par la pluie quand il y aura de la flotte. C'est logique en fait dans l'idée de survie. Oh, la mise secondaire de Funfan est arrivée. Avec peut-être un record local qui est tombé là. J'ai pas fait gaffe au chrono, mais on est proche du chrono de Twinsen. On va suivre Mlle Christella, oh, dont l'habit visiblement est en mauvaise posture. Non, à la traîne, à la traîne. Ah. Delta deuxième, Nachev 23e, moi-même je suis quatrième. L'habit principal de Funfan sera visiblement cinquième et Christella serait dernière. Ah, encore que tout n'est pas joué. Ah non, tu serais. Ah, je sais pas. Ah si, Christella, pardon, t'es avant-dernière. Ah, ça joue à rien au niveau des chronos. 3, 12. Ah non, Tunsen conserve son record local. Ah, le dojo. C'est une carte, un tracé traître. Boum. Bon, point d'exclamation, plaît. Placez donc vos bibis. Attendez, du coup, excusez-moi, moi je vais me moucher pudiquement. Attendez, je reviens. Ah bah voilà, là je me sens mieux. 30 secondes pour placer votre bibi. Point d'exclamation. Play. Play 5. La 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 la. J'essaye déjà de me remémorer la suite pour dans 1 h 30 chez Funfan, là, le coup du X-Files. Donc on a passé le fameux navire là, enfin Funfan ou moi-même on vous fera un résumé quand il prendra son antenne pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Mais ah oui, t'as échappé à la bombe dans l'histoire. Qui c'est qu'on n'a pas suivi encore? Delta, on l'a pas suivi, ou Christella? T'as échappé au coup de la bombe, oui ça va devenir chaud là. Je pense pas que tu le finiras ce soir, X-Files. Je serais très surpris que tu le finisses ce soir. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai rien préparé. Je sais plus où j'en suis dans ma fiche commentaire. Tant pis, j'improviserai un truc. Je vous avais parlé de l'homme à la cigarette, de Max Pileggi qui incarne le directeur du FBI, entre guillemets, qui fait partie des gentils. Skinner, William, non, William c'est le nom du bref. Puis il faudra peut-être que je creuse les autres acteurs, les autres personnages. On verra peut-être celui qui incarne Krycek, là, un des antagonistes. Mais non, honnêtement, moi je pense pas que tu le finiras ce soir, Funfan, parce que surtout que la fin va être balèze. Enfin, on y reviendra le moment venu, mais je pense qu'il va te falloir encore 2 soirées pour finir l'épisode d'X-Files sous forme de jeu. Voili, voilou. Je pourrais peut-être trouver à l'arrache, vous savez quoi, une recherche internet à l'arrache des anecdotes de tournage sur la série X-Files. Il doit y avoir des trucs pas piqués des hannetons. Alors, Nacheman a malencontreusement chu. Je ne l'avais pas annoncé, mais vous l'avez vu. Ouh, Christella, t'es en fâcheuse posture.
La fameuse correctionnelle. Et voilà. Terminé, Christella. Je suis désolé. Tu es une scène aussi. Moi aussi. Allez, hop. Il n'y a plus que 4 participants. Ah, Fun Fan, t'as rallié l'arrivée. Mais Twinsen garde largement haut la main son record local. Delta sera visiblement second. La chute d'un homme, oui. Voilà, Delta est arrivé. Deuxième. Ça va être entre El Chito. Non, AJ est troisième, il est déjà en bas. Et j'avais une surimpression qui faisait que. Et ben voilà, bien joué. Surtout pour ceux qui sont arrivés. Donc Fun Fan Delta et Jay et la deuxième bille de Fun Fan. Sinon nous autres nous avons chu dans le néant. C'est terrible. Point d'exclamation play. Allez-y, placez votre bibille. Alors, qui que quoi que cela dit, je me demande si je vais pas inviter ma cousine italienne à venir jouer. Oh, vous faites ce que vous voulez, amusez-vous. C'est l'essentiel. Amusez-vous, amusez-vous. Ah oui, Delta qui maîtrise bien le jeu. Effectivement, il a mis une valeur à côté de son point d'exclamation play. Vous pouvez choisir entre modestement le côté marbré classique ou l'espèce d'œil de Sauron, là, de lézard. Effectivement, il faudra peut-être que j'essaye de cumuler des points dans les prochaines saisons. Non pas pour essayer de faire un circuit, parce que visiblement, je l'ai dans le baba. Mais pour acheter des calcomanies de billes. N'achève pas. Ouais, je suis allé manger, moi. Bon app, mon cher AJ. Merci à vous aussi. Et à bientôt. Mickey, à plus. À plus. Bonne soirée. Merci. Ah, on va suivre Delta 64. La 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 la. Oula 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 t'es. Attends, t'es en. Oui, j'allais dire, t'es dans un entre-deux Delta. Au niveau de cette pièce. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est cerceau avec le truc solaire au milieu là, c'est. C'est flippant. C'est très blanc. Je me demande si on n'est pas en droit de faire usage de cette texture blanche au niveau des éléments de décor, mettre l'image de fond qui se passe dans la neige. Ça doit être terrible. L'écran ultra blanc. Oui, voilà, je sais pas si tu l'as lu, mais tout le monde te souhaite bon app, mon cher AJ, dans le chat. Je vais faire comme lui, je vais manger, réserve-moi une assiette. Oui, oui, Nash qui se répond à lui-même, mais... Oh, faites-vous plusieurs, faites ce qui vous amuse. Alors oui, du coup, comme il est pas remangé, moi je vais remettre un peu de zik quand même. Je vais vous remettre un peu de zik. Oh mince, pardon, la caméra. Oula, c'est quoi ce truc? Oh. Oh. Eh bé. Alors, El Chito Bob, moi-même, Fun Fan, on a rallié l'arrivée en podium. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait Delta qui était arrivé. Christella et Jane Achevman. Oh. Ah, oh, mi Grand Prix, 8ème course sur 16. Point d'exclamation, play! Pour placer votre bibi, vous avez une minute. Ah, ah. Bah, tu te parles à toi parce que je vois dans mon relevé de chat, Nashevman répond à Nashevman. Donc, ou alors c'est un bug, mais. C'est ce que je lis dans mon interface de contrôle. Ah bah la Jet se joint à nous, c'est cool, merci.
Plus on est fou, plus on rit. Enfin, plus on est fou, plus on rit. Plus on est fou. Aussi. Vous voyez le truc de Twitch qui est mal foutu. Musique. Oula. Cette ambiance. C'est vicieux. Bien vite, Tabi, la Jed, bien. Ah. Pardon. Ah, excusez-moi. Bobby vers Sun TV. Oui, merci Nash. Honneur au vôtre. Oh, des explosions. Ah non. Un Delta premier suivi de Nash et de la Jed et moi-même. Christella est retardataire. Ah bah, voilà Christella. Impressionnant. Point d'exclamation play, vous pouvez placer la bébé de votre choix. Alors, un gros coup de stress depuis 20 minutes. Vivement que je déménage. Oh, bah alors, la Jed, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben. Oui, si les bibis peuvent te relaxer, tant mieux. C'est dans quel sens? C'est dans le sens là, le circuit, je crois. Vu le canon. Quoi? Ah bah c'était court. Ah, c'était très très court. Ouh là là. Ok, Delta a gagné, j'ai pas compris. Delta, Christella, moi-même, la Jed et Nashevman. Ah ouais, c'était très très court. J'aurais peut-être dû regarder le chrono de la durée de la course, là, parce que j'ai regardé le taux d'élimination seulement. Et faut aussi que je pointe la durée, là, parce que vous passez plus votre temps à placer votre vie, allez-y, point d'exclamation play, qu'à jouer. Ah ouais, non, mais...
autant faire le tracé départ-arrivée, quoi. Point d'exclamation play, allez-y. C'est original, j'en trouve ta vie. Ah non, je sais plus que ta vie était différente, mais non. Oula, c'est quoi ce. Oula. Oh, c'est une tête d'aigle, un griffon. C'est un griffon qui est modélisé au fond. Oh là là, c'est de l'art. Eh bien. Au départ, c'est vicieux ça. Waouh, c'est vicieux. Ah, tu finis dans la goulotte centrale quand tu t'es loupé. Ah, c'est bien conçu. Bien conçu, bien pensé. Eh bien. Bien la Jed, t'as rallié l'arrivée rapidement. Jet Delta Nashevman, Christella et moi. Bien. Ah, l'exclamation play. Allez-y, placez vos bibis. Pas de lien celui-là, mais il y en a de loin. La 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 la. Christella sera en tête. Man a repris la tête de la. Everlasting. Ah,
Pas mal là, Jed. Belle sortie d'entonnoir. Oh là, les morts sont fins sur le côté, c'est vicieux. Oula, qui c'est que ce truc? Ça repart dans l'autre sens. Oh, c'est psychédélique! Ah, Nashevman, bien! T'as déjà rallié l'arrivée, refais le pad. Oh, joli! Nashevman Delta Legend font le podium. Il reste moi-même et Christella. Tout est contrôlé. Ouh. Et B. Bien. C'est un beau tracé. Point d'exclamation play. Allez-y, flashez votre bibi. Ouais, pas mal le circuit, franchement. Attendez, excusez-moi, du coup, vous voyez mon truc. Ti-da-di-da-di-da-da. Alors, voilà, fin de cette phrase. L'arrivée où? L'arrivée par là-bas. L'original. Ah, c'est psychédélique d'être au centre. Voilà. Ah, c'est l'arrivée. Waouh. Alors, Fun Fan premier, suivi de la Jed et de Delta. Enfin, dans l'ordre Delta puis la Jed. Ah, la vie qui tombe pas. Ah, Nashevman serait dernier. Ah oui. Et B, bien joué Fun Fan. Fun Fan de Talajé, de Chitobot, Christella, moi-même et Nashevman. Alors, hop, point d'exclamation, play, allez-y, placez votre bibi. À vous faire pendant que vous placez votre bibille.
de service, je voulais faire un sondage et puis je peux plus, je peux pas le faire. Je vais recharger le chat. Ah, merci. Faudrait que je rafraîchisse le chat. Alors, Delta, Alcito, Falchi, Bob, Christella font le podium. Suivi de moi, Fulfan, Hachemman et la Jet. Tu es le petit dernier sur ce coup-là. Je vous laisse un vote, en fait, pour l'heure qui suit, quand on aura fini ce Grand Prix. Est-ce qu'on refait des bibis? Ou est-ce que vous acceptez que je dessine pour vous? Je serais pas contre. Je dessine pour vous et vous essayez de deviner en fait bah celui qui répond plus vite dans le chat à, qui a la bonne réponse par peu de points, ça me compte pardon. Ah voilà. On n'est pas obligé de faire que des bibis. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous plaît. Non mais faut pas noter dessin dans le chat Tunsen. Il faut aller dans le sondage, mon cher Tunsen. C'est comme ça que ça marche, mon cher Tunsen. Point d'exclamation play dans les médias, placez votre bibi. Apparemment, vous êtes très enthousiaste pour les bibis. Bon, bah, à mon avis, on va rester sur les bibis. T'as pas eu le sondage. Bon, bah, si c'est buggé. Mais visiblement, on est parti pour rester sur les bibis. J'ai 4 votes bibis. Pardon. Vous aimez des bibis, on reste dessus. Moi, j'aime bien tout me plaire. Alors, ce que je vous propose... Dis pas ça, Fulfan, tu vas l'agacer. Aïe, aïe, aïe. Quelle idée de te vanter d'avoir double sondage. Le cafrance. Burp. Oh. C'est beau. Ah, vous êtes terribles tous les deux. Vous êtes comme chien et chat. C'est joli. Oula, la Jet t'a bien reparti en sens contraire. Ah la voilà. Ah bah c'est pour mieux revenir. La fin. C'est la fin. Oh, c'est stylé. Alors, moi-même, Christella Nachemman, on fait le podium, suivi de Fulfan. Fulfan, Bob, Twinsen, Delta, la Jed. Oula, c'est un Coréen qui a le record du monde. Point d'exclamation play, allez-y, placez votre bille. Ça fait bizarre de voir du Coréen au record du monde. Je ne vous le lirai pas puisque je ne lis pas cette langue.
Effectivement, oui. Je vois le résultat du vote. J'ai la folie. On va rester sur les bibis. C'est beau. Ah mince, j'ai pas mis les... Attends. Ah bah oui, je suis hors... Oh, quel idiot je fais. Message de FunFan 1992. Résultat 5 votes pour qu'on reste ici. 0 pour aller ailleurs. Effectivement. Bah, tu une scène, comment tu t'es éliminé? Oh. Terrible ça. Alors là, t'habites une scène, elle a dû se barrer là où il fallait pas. On va savoir comment elle a fait son affaire. Bonsoir Aerostar. Ça va, ton direct de tout à l'heure s'est bien passé, j'avais vu un peu le début. J'étais tranquillou, pénère pépouze. Oula, oula, oula. Oh, Nashevman a déjà rallié l'arrivée, Elchid, Bob et Christella. Le podium est déjà placé. Ensuite, Mabi est arrivée, celle de Delta. Normalement, la Jet devrait pas tarder. Voilà, suivi de FunFan. Yeah. Et dernière course de ce Grand Prix de 16 tracés. Oh là là. Oh, Moonshoots Cross. Je pense qu'on dit comme ça. Oh, l'exclamation play, vous pouvez placer votre bibi. Moonshot Cross, c'est stylé. My weary soul, they seem to soothe, and redolent of joy and youth, to breathe a second spring that mocks the tear it forced to flow. That mocks the tear. Voilà l'exclamation play. Lâchez votre bibi. In keen remorse with blood defiled, in moody madness laughing wild amid severest woe. Ah, c'est bien, Aerostar, t'as placé ta vie. Ah bah tiens, on va essayer de te suivre, Aerostar. Là. Yeah. On voit bien ton avatar. Oh, c'est beau. Ouais, ça va tranquillou, merci Aero. On est peinard, c'est le long week-end là qui fait du bien. Je t'avais dit que tu sur ton antenne que je faisais deux fois plus mon coucou. Ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est cool. Oh les couleurs, oh là là, ils nous en mettent plein la vue. Bonne app hein, pour ceux qui passent à table, 20h déjà. Oula. Oh c'est beau. La cascade de glaçons colorés. Quelle magnifique finale pour ce Grand Prix de 16 tracés. Oula, c'est la lessiveuse là. Oula. Bon, il n'y aura pas de record mondial, je viens de regarder le chrono. FunFan. Et sa vie secondaire, Franck Podium, Delta, suivi de la Jet, de moi-même, Aerostar, Christella, et le dernier, je crois que c'est le pauvre Nash. Ah, alors, je sais pas pourquoi ce soir, mais Nash, là, pour ce Grand Prix, t'es souvent dernier. Tu fermes la porte, on va dire.
Alors, podium, ils le font ou pas? Ah si, quand même, Nashevman 3ème. Bon, tu sauves l'honneur en étant sur le podium final. Moi, qui est premier? Fanfan? Fanfan? Bravo! Oh 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 oh! La classe! Comme dans la vie. Oh. Ah Nash. Yeah! Et B. Oh là là. Mais du coup, les points, ils les comptent pas. On est hors saison, donc il n'y a pas de points. Et B. Allez, je vais relancer un autre Grand Prix de 16. Ça fait une heure. Donc, non, pas. On va peut-être se faire que des trucs de la communauté. Bah. Je clique à mort. Non, elle est trop rapide celle-là. Ah, il y en a des dates différentes un peu. Attends. Ouais, bon, ça va durer un peu celle-là. Ouais, un peu risqué. J'évite les gros tons, j'évite les taux d'élimination trop élevés. Je reste sous la barre des 10%, sinon c'est frustrant. Cette fois, je vais parler de qui me voit. Ah, bah je vais couper mon son qu'on t'entende bien. Attends, je finis ma sélection et puis. Pour l'économie, c'est une pratique, je donne les enfants, moi. Bon appétit, Christella. Bon appétit, ouais. Merci pour le clip. Ah oui, j'ai désactivé les votes, pardon. J'ai désactivé les votes parce que là, on est dans la communauté, je préfère choisir moi. Ouais, pas de problème. Tant qu'on a la 11, tout va bien. Voilà. Non, mais parfois, il y en a des trop courtes et parfois, il y en a des super longues. Une fois, cadeau Anthony, que je salue, il était tombé sur une qui durait 3 quarts d'heure, 1 heure. Enfin, un truc de fou, quoi. Ah. Point d'exclamation, play, placez votre bébille. Alors hop, la musique, je vais la mettre en... Je vais même peut-être la couper tout court. Voilà. Ah. Oui, ça va, t'arrives à te remémoriser un peu où est-ce que t'en étais dans X-Files après le coup de l'explosion là, des locaux piégés de l'entreprise. Et après avoir rencontré un homme de couleur, faut pas dire la couleur sinon c'est pas bien. Oh, oui, c'est vrai. Qu'il fallait discuter avec lui et ouais. Pas le suivre sinon il t'égorgeait. C'est ça, l'informateur. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas rejoué au jeu. Bah, comme je l'avais fait, moi, ça m'avait marqué, étant fan d'X-Files, j'avais adoré. Et justement, t'as fait la scène, justement, avec l'informateur qui te donne le stylet, tu comprendras pourquoi à la fin. Ouh, c'est très doré, tout ça. J'avais adoré parce que, en fait, les acteurs regardent quasiment face caméra et tu te sens directement impliqué puisqu'ils s'adressent à toi, la première personne. Donc c'est génial, c'est waouh. Quand t'es fan de la série, tu te dis ah, mais je suis dans la série, il me parle. Ah, trop excitant. J'avais adoré cette narration. J'ai raté comment renommer mon cousin. Je voulais le nommer juste El Chibob et c'est devenu El Chitibob. Oui, El Chit, ouais. El Chit.
Il fit des bobs, voilà. Des bobs Murloc. On va dire ça. Bob, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Oh, GG Roster. Cool. Suivi J'ai un de sport, toi, lui. fun fan, Nashevman. Oula. Et ta Et il vient bismondère d'arriver devrait arriver. à Ouais. Aeroster à la chance du débutant. C'est ce que j'ai à dire. Je l'aurais appelé Ah. El Elle Tritón. trichophone. Oh non, il nage, tu vas pas faire du Twinsen, hein. Et c'est là où c'est Twinsen qui va finir par tenir le fouet. Oh, c'est coloré! Placez donc vos bibis dans ce damier multicolore. Ou presque. Non, tu me diras, il y a des couleurs primaires, bleu, jaune, rose, enfin, presque rouge. C'est original. Ah. J'apprécie le calme aussi. Alors, il y a un truc qui est fourbe dans ma sono, c'est que mon retour son est plus violent dans les écouteurs que vous, ce que vous avez vous sur votre chaîne, enfin votre signal à vous. Je sais pas pourquoi, je cherche plus à comprendre, mais du coup là, ça me repose un peu les tympans. Effectivement, j'ai le même truc que toi. Le jeu, j'entends toujours moins fort que sur le retour Twitch. Ouais, c'est traître, hein. Oui, c'est très traître. Parce que toi, tu le mets, tu dis, ah, c'est bon, mais on fait, on entend mieux. Et Ben, ouais. montez vos sonotones, bande de papy. Oh. Non, ça Ah, vient ouais, des celui-là, bugs, je suis mort. sûrement la conversion, tu sais, ça convertit de Twitch, le jeu, OBS, tout ça, les volumes. Là, je pense que c'est un peu tard, Pierre Houtman. La Oui, prochaine. dommage. Il y aura les 14 suivantes. C'est beau. Naturellement, s'il y avait un réel enjeu, je ne mettrais qu'un seul compte. Mais comme c'est juste pour le fun, Oui. une bille de plus ou de moins, là on n'est que 5. Si on le lève, on serait que 4, quoi. Il n'y aurait qu'une seule personne qui est exclue du podium, c'est pas cool. On veut garder deux. Alors, j'ose imaginer qu'en bas, dans le décor de fond, c'est un nuage retourné avec des, je sais plus comment on appelle ça dans les desserts, les trucs colorés, là, les petites brindilles colorées comestibles. Parce que pendant un instant, j'ai cru voir un caleçon défiler, un caleçon de bain. Je lui ai dit, mais c'est d'un drôle de goût. Alors, le revoir passer en bas de l'écran, c'est douteux. Ça fait bizarre. Enfin bon. Il en faut pour tout le monde des goûts et des couleurs. Pourtant, ce n'est pas les meilleures boîtes, mais j'adore les boîtes PS1. J'adore. Ah oui. Je sais pas, elles ont quelque chose. J'aime bien aussi PS2. À partir de la PS3, c'est parti en vrille, mais. Ouais, que veux-tu? D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, puisque toi, tu es fan du Japon. Oui. Les boîtes japonaises des jeux PS3, du moins, sont grandes comme les boîtes PS2. Il n'y a que pour l'Europe qui les ont réduites et les États-Unis. Je sais pas pourquoi, mais. Ah, d'accord. Ouais, ça fait une économie, tu sais, de matière au moulage. Et s'il y en a des rares qui. Oh, je pense qu'ils font fabriquer sur place. Ou est-ce qu'ils exportent? Tiens, bonne question. Parce que ça fait des coûts de transport moins chers, puisqu'il y a moins de matière à transporter. Alors, tabi secondaire et bien joué, fun fan. Moi, Ouais, troisième, Nashman, quatrième, Aeroster, cinquième. elle est chibo. Vive, vive, vive. Hey, je suis deuxième. Ouais, c'est toi qui es D'exclamation, troisième. On est play. la team modérateur. Hein. Ouais. Et Nash est quatrième. Ben oui, c'est la team des modos. Alors, Et je suis. Ouais, Aeroster et Modo aussi sur une autre chaîne. Ben voilà. bah oui. Voilà, Pierre Troutman, tu peux le faire maintenant si tu veux placer ta bille. C'est maintenant que Ah tu non, il peux le faut que tu faire. sois modérateur quelque part, sinon ça marche pas. Non, je déconne, Pierre. Point d'exclamation, play. Ah.
J'ai lu Saint-Avold, moi, dans le record mondial. Non, c'est Saint-Nohalo. Par C'est contre, original, oui. le dernier qui a suivi la chaîne là, qui commence par un Z, il est bizarre, lui. Il n'a J'ai pas jamais fait parlé, gaffe. il t'a juste dit hydrate-toi, il a utilisé que des points de chaîne. Oh, tu sais, moi je me pose plus de questions. Est-ce que c'est un cousin du point? Je me demande. Parle pas de malheur, oublions. Ah. Jeff Koopman est modérateur sur une chaîne OnlyFans. Ah. Ça dépend qui. Parce que Ah, on si va suivre c'est une Jed. chaîne de ventilateurs, ça nous intéresse pas. Aïe, aïe, aïe. Si c'est amourante, oui, ça passe. Tu vois, raison garder. Ouais, c'est par là. Oh, il y a de l'art dans cette carte. Oh, c'est beau. Ah, après, c'est des on-dit. Hein. Oh, regardez comme c'est original et joli. Oh là là, avec l'effet luisant. Oh là, il y a une superposition de texture à un moment donné. Waouh. On dirait un village gallo-romain qui est sous la flotte avec l'eau qui ruisselle au sol. Oh, bien la jet, tu remportes la course. Yeah! Alors attends, on va suivre les autres, on va suivre dans les derniers, il y a Nashevman qui arrive. Waouh, le retard que j'ai. Alors, la jet, Fanfan Aeroster, tabis secondaire, mon cher Fanfan, moi-même et Nashevman qui continue de fermer la marche. Oh. Nashevman, en général, c'est tout ou rien, soit les premiers, soit les derniers, c'est quand même dingue. Voilà. Vous aurez remarqué qu'on fait pas mal de cartes communautaires, il n'y aurait pas eu de record de monde qui serait tombé ce soir. C'est normal que Nash il soit dernier, il a le fouet. Comment il pourrait nous fouetter après? Il pourrait pas, c'est pour ça. Voilà. Là. Il faut Ah. que je te trouve un truc pour la commande qui viendra plus tard de point d'exclamation canaillou. Ah, que je trouve un truc. Point d'exclamation play, pardon, en attendant. Va être bonjour pour qui on sait. Oh, Pierre Troutman qui rentre dans l'arbre de Nash. Aïe aïe aïe. Ah bah bravo, c'est du propre. Ah. C'est limite un micro, c'est plus une zigounette. C'est un micro pénis, hein. Voilà, j'ai eu un ami quand j'étais en école primaire, il souffrait de ça. C'est même gênant quand tu vas aux toilettes, en fait. C'est dire. Il faut pas savoir dans quelles circonstances tu l'as vu. Non, c'est pas que je l'ai vu, c'est qu'il m'en a parlé. Ah bon. Mais oui. Oh. C'est La tendancieux. surinterprétation tout de suite. Non, mais c'est même au quotidien, c'est un vrai handicap en fait. Pierre Koopman, ok, c'est la guerre. Ouh là là. Je Jiggle la rigole. petite princesse. Ouais. Par contre, c'est bizarre que j'ai reçu des trucs chelous sur YouTube. Qu'est-ce que t'appelles des trucs chelous? Si Ben, c'est je pas un sais pas biscuit. pourquoi, parce que comme des fois je regarde des vidéos, tu sais, un peu sur des modes, tout ça, de RE2, de RE3, un peu pour voir un peu les remakes, ou tu sais, des speedrunners. Tu sais, YouTube, ils essayent de te proposer des trucs que t'as pas encore vu. Ils m'ont proposé carrément un mode nu.
Ah bon? Ouais, du 3. Bon, ça passe. Voir clair, non, j'ai le nu, ça passe. Mais quand tu vois le Némésis qui est tout nu avec sa grosse mitraillette et son gros yis, c'est très chelou. Aïe, aïe, aïe. Ce qui n'est pas logique d'ailleurs, parce que normalement, les modifiés par le virus, ils perdent justement leurs attributs reproducteurs de mémoire. Il y a une dégénérescence soudaine où le tout ce qui est système reproductif ne suit pas la transformation, la mutation. Il faut pas dire ça à la gente féminine, sinon Wesker, c'est fini, quoi. Hein. C'est ça. C'est bête à dire, mais c'est ça. D'ailleurs, je crois savoir qu'il a un fiston qui est gentil dans le 6. Alors, me dites rien, parce que je connais pas encore, je découvrirai un jour. Mais soit il l'a eu avant d'être transformé, ou alors il a eu la présence d'esprit de sauvegarder sa semence en le congelant comme dans une banque de sperme. Sinon, je vois pas, c'est pas logique. Mais je pense pas que Capcom nous donnera ces détails dans l'histoire, ils s'en moquent un peu. Bref, Fanfan, Aerostar, Tabi Secondaire, et Ladjed, et moi-même, pour une fois, qui ferme la marche. Course suivante. J'espère qu'il a pas entendu Aerostar, sinon c'est un spoil. Comment ça? Ah oui, il y a pas joué non plus, oui, pardon. Ah non. Pensez à Aerostar. Oui, aussi, oui. Non, mais même moi, je j'ai juste l'info. Il a entendu, mais que sa mémoire est pas bonne pour ce genre de détails. Oui, en même temps, j'ai pas super divulgué chez l'œuvre. D'ailleurs, je la connais pas, hein, la 6. Hein. Je vous dis ça parce que c'est une info qui m'est tombée sous le nez, mais... Après, le scénar... Je sais juste que, tu vois, t'avais dit que c'était action, 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 le 6. Donc, point d'exclamation, play. J'avais fait le 6e opus avec Josh, hein, il y a 2 ans. Ouais, ouais. Kikia. Ah, tu veux sortir. Ah, Minette qui te harcèle pour sortir de ta pièce. Elle vient le feu pour ça. Si on l'a entendu, tant mieux. Mais je pense pas. Allez, Ziou, encore un Coréen qui a le record du monde, décidément. C'est des tricheurs. Mais non. Je me méfie, hein, parce qu'ils sont... Je suis sérieux, ils peuvent tricher. Hein. C'est beau. Oh, les tracés sont stylés. Oula, il y a un Gugus qui a été modélisé. Je sais pas ce que ça va donner. Ha ha ha! Ah, il y en a qui sont doués. Oula, on voit plus rien là. Là, il faut être au ras de l'habit. On va suivre l'habit à ras parce que c'est. Je vais plaquer la caméra dessus puisque les. C'est un tunnel. Ouh là là, ça fait un peu Gerbotron. Attends. Vu comme ça, c'est impressionnant quand on incarne la bille. Ouh là, ah, je vais peut-être pouvoir dézoomer là. On sort du... Il n'y a plus de plafond. Ouf. Ouch. Bon, à mon humble avis, le record du monde ne sera pas battu là non plus. Très original. Oula. Waouh. Je sais même pas comment ils ont fait leurs roues dentées. J'ai pas vu les roues dentées dans le... Ou alors c'était une autre saison. Ouais, peut-être. Parce que l'élément là de construction, je l'ai pas vu dans ma collection. Ah bah je remporte le tracé. Oh c'est vicieux ça. Mais c'est bien pensé. Ah d'accord. Ah bah Aerostar, tu vas. Voilà, t'arrives dans le bon dernier. Moi-même, Elshit, Funfan, puis Nash, puis Lajed, et enfin Aerostar.
Ah, sixième tracé sur 16. Oui, ça va, on est dans le rythme, je regarde par rapport à l'heure. Point d'exclamation, play. Voilà, on peut bavarder, peinard. Pépouze. Est-ce que... Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester aussi par rapport à ce que je dis hein, dans le chat. C'est pas... N'ayez pas le sentiment que j'ai un enfin, monologue, juste un échange avec FunFan à l'oral, mais... est-ce que tu verrais pas une autre série télé qui pourrait être adaptée en jeu vidéo telle que l'a fait X-Files? Stargate? Stargate, il y a pas mal d'action, mais on pourrait imaginer, ouais, il y a des scénarios où il n'y a pas forcément de l'action. Ou pas trop. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Oh. Moi, je me demande si, dans les rares séries que j'ai vues ou quelques épisodes, si un Dr. House pourrait pas être adapté sous forme vidéoludique. Non, Docteur House, c'est tout une scène. C'est bon, on veut pas de. Il serait bien dans ce rôle, vu qu'il fait que râler. Pas Ça content, parle pas mal. Waouh, le niveau des enfers. Cette texture flamboyante. Oh! T'habilles en feu, fun fan. Bah, Je t'es en mettrais Dean tête. Austin dans son rôle du meilleur ami du Dr. House. Ouh, mais tu vas battre un record mondial là ou quoi, fun fan? Tu fais fort. Oh. Oh, ta bille qui est partie, mais alors, comme une fusée. Encore un record pour Bibi. Ouh. Peut-être. Ça Ah non, mérite trop pas un coup. tard. Trop tard, trop tard. Je viens de regarder le chrono, mais j'y ai cru, parce que franchement, ta bille déjà était en tête. En plus, elle est tombée directement droit dans l'entonnoir sans Alors, tourner. il y a Nash qui nous dit, Oui. ah oui, je confirme, un jeu Dr. House sur la Nintendo DS. Mais il a eu 6 sur 20. Déconne pas. Ah ouais, ils ont essayé de surfer sur la Nintendo DS, ça va être bizarre. Merci pour l'info, Nash. Ah, ils l'ont tenté. Eh bé. Bon, je devine qu'on émule quasiment tout de nos jours, donc il doit y avoir, mais j'en ai pas que je sache d'émulateur Nintendo DS, mais. Je serais tenté de par curiosité de voir ce que vaut le jeu de m'y frotter un jour au jeu Dr. House. Mais c'est dommage au final s'ils ont fait de la bouse. C'est vrai que c'est pas évident d'adapter par rapport à la série. Bref, pardon. Elshit, FunFan, Ladjet font le podium. Nash, moi-même, Delta et Aerostar. Non, là tu me fais mentir, Nash. T'es arrivé au milieu. T'es quatrième sur 7. Point d'exclamation, play. Oh, l'humour de celui qui a le record mondial. Not Ferrari. Pas Ferrari. Ah, c'est sûr, il peut pas être Lolo vu qu'elle est morte. Oh, la pauvre. Oh, je l'avais oublié, Lolo Ferrari. Elle était en manque d'affection. Il paraît que au naturel, elle était plate, quoi. Elle avait pas de poitrine. Elle en avait fait un complexe. C'est pour ça qu'elle s'était fait opérer pour arriver dans l'autre extrême. Et parce que elle était mal dans sa peau, quoi. Elle n'était pas aimée et tout. Et c'est triste de devoir jouer sur des artifices pour pouvoir plaire. Ça en dit long parfois sur la société. Hein. C'est d'un triste. Je sais plus qui c'est qui témoignait de Lolo Ferrari quelques temps après sa disparition. Peut-être son compagnon du moment d'ailleurs. Allez savoir. Je ne sais plus. Et qui disait qu'au fond, elle était adorable, cette fille. Elle était adorable. Mais. Bon, bref. Ah là 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 là.
Waouh. C'est marrant, vous voyez la partie supérieure du toboggan? Ça me fait penser, vous savez, les bulles de savon qu'on joue quand on est gosse, là, à souffler dans le cerceau qui tient dans la main. La bague cerceau. J'ai l'impression de retrouver la texture des bulles. Il y a quelque chose qui nous rattache à l'enfance quand on voit ça. Enfin, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais ça me rappelle des souvenirs de gosse. C'est trop mimi. Alors, merci à vous d'être là, mais je suis intrigué en fait, mon ratio entre participants et spectateurs. On va dire qu'il y a moitié moins de participants par rapport au nombre de spectateurs. C'est... Merde, ma caméra, je suis en train de la saboter là. Parce que j'ai fait tomber mon patin sur le câble, j'ai pas fait exprès. Par chance, elle n'a pas lâché. Bref, pour dire tout ça, pour dire que, mince, je disais quoi? Que je suis surpris, le ratio, la moitié des spectateurs s'engagent dans la course. Alors, sûrement, vous êtes en train de manger ou de faire autre chose, ça, je comprends. Mais je trouve ça rigolo, parfois, d'établir des ratios, des constats de statistiques, en fait. Bref, merci à vous d'être là. Alors, moi, je. Voilà, j'ai rallié l'arrivée. Ensuite, Aeroster, Nashevman ont fait le podium. La Jed, El Shit, Fanfan et Delta ont suivi dans cet ordre. Ah, mi-Grand Prix, on arrive au 8e tracé sur 16. Enfin, ce sera la moitié du Grand Prix quand on aura bouclé le tracé. Point d'exclamation, play! Tiens, là, c'est un Tasso 32 qui a fait en plus d'une minute le record mondial. J'ai une démangeaison au pied. Mince, attendez, je vais mettre le compte à rebours. Excusez-moi du peu. J'ai une démangeaison au talon, mais la folie furieuse, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Aïe, aïe, aïe. Ça me gratouille le talon. C'est la folie. Ah. Relaxation, j'apprécie aussi. Après tout le souk du début d'après-midi entre Fear, Sonic là, et encore Sonic déjà là, ça, le rythme était déjà un peu plus posé. Enfin bon, aïe aïe aïe. Oups, attention que je fasse pas de bêtises avec mon autre casque. Alors, qui c'est qu'on va suivre? Tout. Hop là. Nous suivons Delta, qui visiblement prend le commandement de la course. Oh là là, elle est terrible cette sphère loto. Oh bah. Ah si, j'ai cru que tu l'avais passé d'une seule traite, mais non, j'ai été victime d'un effet d'optique. Alors, qui c'est qui prend la tête? Fanfan, tu prends la tête de la course. Ah ça, oh oui, bah, il y en a une deuxième derrière, je la vois au loin. Ah ça rebat complètement les cartes, les boules, les sphères de l'auto là. C'est difficile de passer l'élément là d'une seule traite. Oh, bah je vois qu'il y a un téléporteur au bout de la bille auto. Est-ce que c'est la téléportation vers l'arrivée? Sûrement, vu le record mondial et le chrono actuel. Access denied. Ce n'est pas le bon change pour la bibille. Elle s'est fourvoyée dans la mauvaise intersection. Oh, je peste encore de ce qui m'est arrivé ce matin dans Tomb Raider. Le coup d'avoir été victime, d'avoir trouvé le truc pour passer le niveau là avec le boss du chevalier. Donc je rappelle que je joue actuellement au 4 en Égypte. Là, je suis dans la bibliothèque à Alexandrie, la bibliothèque de Cléopâtre. Et je suis tombé sur le fameux boss du cavalier, là, chevalier Bayard, là, tel que je l'aime bien l'appeler. Et j'avais trouvé l'astuce de lui tirer sur le torse. Mais je savais pas, j'étais victime d'un bug de collision là où j'étais placé. Je faisais pas tir au but en fait, je le touchais pas. C'est dégueulasse, graphiquement ça se voyait pas. Faudrait que j'essaye d'ailleurs la séquence que je la clip ou je sais pas quoi, qu'on voit vraiment que ça passe pas, qu'il y a un truc qui cloche.
Bref, j'ai fini par me réussir à me dépêtrer, mais c'est rageant quoi. J'ai perdu une heure à tourner en rond à cause de ce bug. Bref, Tachet Fun, Delta Fun Fun, vous faites le podium suivi de moi, Elshit, Aeroster et la Jed. Course suivante. Voilà, là c'est vrai que c'est l'ami Grand Prix là. Puisque les 8 premiers sont derrière nous et les 8 suivants arrivent. Point d'exclamation, play. Ça va, c'est des petits tracés qui sont en une minute et quelques. C'est gentil. Hein. Un de ces jours, il faudra peut-être que, si j'ai pas une heure, mais une heure et demie de... Qu'on appelle ça de... Qu'est-ce qu'il m'a fait, Wisebot? Ah oui, c'est parce qu'il y a mon lien dans le saviez-vous. Je me disais, mais pourquoi Wisebot m'interpelle avec un énorme pavé? Bref, c'est moi qui ai mal programmé mon truc. Sur 90 minutes, faire faire effectivement un Grand Prix de 16, mais tu sais, avec des courses qui durent 2 voire 3 minutes au minimum. Ça va être pas mal non plus. Mais après, il faut les trouver, quoi. Mais ça se trouve dans les tracés. Mince, j'ai pas mis les noms. Alors, qui c'est qu'on suit? On suit Elshit. Oh! Il y a un effet luminescence de... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Blin, je sais pas... Oh! C'est vertical! C'est vertigineux, mais complètement cette fois-ci. Oh là là, faut regarder vers le bas, en fait, pour voir l'arrivée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wouah! Wouah! Alors là, il faut savoir qu'on est à la verticale. Donc les billes deviennent folles. Oh, ce concept. Ouais, oula, effectivement, comme dit Delta. Complètement renversant. Wouah! On fête l'arrivée de l'hiver avec des petits flocons. Ouch! C'est sans dessus dessous. Ah, on voit l'arrivée au loin, là, le cadre, le carré aux angles arrondis. C'est ça, normalement. C'est ça. Aeroster premier, suivi de Elshit, puis de Delta. Ferme la marche au podium, votre serviteur, puis Nash, puis Fanfan. Est-ce que le record... Non, il n'y a pas... Il n'y a aucun record mondial pour le moment. C'est bien, du coup, ça me met en repos, parce que... Je rappelle que dès que vous battez un record mondial sur un tracé, je le note dans mon Discord. Et c'est immortalisé. Point d'exclamation play. Oh, ce tracé dure un petit peu plus longtemps. Puisque le record mondial s'établit à plus de 2 minutes. Et le nom à rallonge du tracé... Oh là. C'est Ace Fullover Kings. John T. Rudiment Terry Fantasy. C'est Supreme Pearl qui a le record du monde. Ça y est, je fais mon accent américain. Il y a trop d'anglais à lire. Oh, il y a l'accent en doublage français qui est extra délicieux dans la... Surtout le dernier opus que j'avais vu il y a longtemps de la saga Bouclier de Quetzalcoatl, là. Ah, je sais plus comment on appelle la série. Enfin bref, c'est une série d'enquête en point and click. J'adore l'accent du gars. Je me régale à chaque fois. Ça y est, je t'ai perdu, Fun Fan. Tu dis plus rien. Si, je suis là, je suis en train de faire de la lecture diverse. Oh. Tu lis ton Gorafi? Non, non, un truc sérieux, une biographie d'une personne. Ah, Lolo Ferrari. Non, mais dans un film où elle a été, je ne sais pas si elle a interprété cette personne, mais d'une personne vraie qui c'est une femme donc qui s'est carrément suicidée dans les prisons allemandes. Oh là. Voilà.
Dur. Mais qui était un RDA et qui... Donc qui était un RFA et qui aurait dû être un RDA, c'était une communiste. Et... Ah, oui. Les motivations de la personne. D'ailleurs, de cette sombre période, j'avais surpris ma famille, mais... Enfin, bref, peu importe, je vais pas... Le Horst Tappertz, le comédien, acteur allemand qui incarne le héros célèbre de l'inspecteur Derrick. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais il a vite disparu de nos écrans télé à une époque. Il n'était plus sur la ZDF côté Outre-Rhin, et chez nous, France 3 avait vite fait de le déprogrammer. Et pour cause. En fait, il y a un historien qui était parvenu à prouver qu'il s'était engagé par conviction, avec visiblement une lettre de motivation, dans le process automatisé de masse de la Seconde Guerre mondiale, le truc atroce. Et il s'était engagé... Oui, c'est ça, c'était un ancien SS, comme Lina Shevman, ouais. Mais il l'a fait avec motivation, quoi, avec conviction. Donc, il avait essayé de dissimuler jusque-là et son passé l'a rattrapé. Donc, hop, disparu. Non, non, c'est mais pas. Il me semble, je te confirme, la Chefman, c'est strictement ça. C'est strictement ça. Ouais, ouais, c'est horrible. Horrible, horrible. Mais en plus, cet enfoiré, il a pu le cacher jusqu'au bout, puisque ça s'est su après sa mort. Donc, j'ai un doute. Ah non, ça s'est pas su de son vivant, je suis sûr à 100%. Ouais, ah, je me souvenais plus. Parce que je me souviens que c'était encore diffusé, ouais, ouais. Mais bref, l'horreur, quoi. Ah ouais. Fan Nashevman, El Sheet font le podium. Ensuite, Delta, moi-même, Aerostar et la Jed. Course suivante. Just keep rolling, rolling, rolling. J'avais peur de dire une bêtise. C'est pas trop le genre de choses à plaisanter. Oui, c'est sûr, Nash, tu m'étonnes. Point d'exclamation, play. Lâchez votre bibi. Eh oui, c'est terrible. Ah là là. La 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 la. Oula, là c'est presque... Enfin si, ouais, c'est plus facile à prononcer. Icotus Glamorous Glimmering Gauntlet. Et le record en 1.43 de Twisted Gemini 68. Yeah. Ah, on est 6 participants, on a perdu quelqu'un. Je crois qu'on était 7 tout à l'heure, non? Ah, tant pis. Quelqu'un s'est laissé distraire. Ah, on a peut-être perdu la Jed, je crois. La Jed est occupée à autre chose. Oh, ouf, ce départ canon. Ah, oula, les éléments sont translucides. Au niveau des obstacles, vache. Oula. Wouah, elle fait un tour complet la bille. Au niveau de l'élément boule de loto là. Est-ce que c'est censé représenter quelque chose en face? On dirait presque le manche d'une épée à la Excalibur là. C'est mystérieux. C'est Mr. Lewis. Oh, ce bruit. Ah bah c'est la bobine Tesla qui fait cet étrange bruit. Ouais, je dirais en stream, mais... Oh, ouais. Elle était un peu zinzin, cette nana, quand même. Ah. Ouf. Oh. Elle a fait des trucs... Daddy, daddy, daddy.
Qui c'est? Ah, Nashevman serait en tête. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, sacré tracé quand même. Attends, un moment on voit un canon qui part sur le côté, mais c'est oh, trop bizarre. Comme c'est étrange. C'est toujours traître dans la conception d'un tracé quand ça repart en sens contraire, parce que il faut pas oublier que celui qui rallie l'arrivée déclenche un mur, comment on appelle ça, de un peu la le wagon caravane, comme on dit autour de France là. Et voilà, où au bout de deux minutes, et bref, c'est pour les retardataires, c'est fatal. Alors, Nashevman remporte la course, suivi de moi-même et de Delta. Hors podium, nous avons Alchit, Aeroster, et ensuite toi, Funfan. Je ne pense pas qu'on ait battu. Ben non, on n'a pas battu de record, sinon j'aurais eu une alerte. Ah oui, on était loin du record mondial, là. Ils étaient sous la minute, nous on a mis plus de 2 minutes chacun. Nash a fait 2.06 pour le vainqueur. Histoire qu'on se situe dans la dans les chronos. Point d'exclamation, play, faites-vous plaisir. Alors, oh, en une 7 leur camp mondial, oh, ça va être vite. Ça va être vite expédié. Eyes of Scaros Deep Dangerous Rains. Et B. La la li la la. C'est le 12e tracé sur 16. Ah, on retrouve la Jed. Ah là, par contre, c'est. Attends, qui c'est qu'on a perdu? Je ne sais plus. Ah oui, t'as mis une bille. Oui, c'est pour ça que du coup ça me perturbe. Eh ouais, on est posé, peinard, pépouze. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure à ma pause déjeuner. J'ai oublié de me lancer un lave-vaisselle. Merdoum. Ah, me disais bien que j'avais zappé un truc. Faudrait que j'essaye de lancer le lave-vaisselle tout à l'heure durant ton X-Files. Quitte à ranger juste la vaisselle demain matin à mon réveil avant de lancer le direct. Donc moi, vous me retrouverez d'ailleurs demain matin, je l'espère, à partir de 9h. On verra à quelle heure je prends mon antenne. Ah oui, il faut que je refasse les branchements de la PS2 vers la PS3. Puisque nous ferons la suite de l'interminable Final Fantasy 13. J'en suis toujours qu'au premier Blu-ray sur les 3. Blah. Je... Il y a tout... Oui. Il y a quoi? Ton guide, il est toujours, il te guide toujours. Bah là, je sais pas si je vais pas le perdre un peu parce que ça fait plusieurs week-ends que j'ai pas diffusé, sachant que le prochain, d'ailleurs, je ne diffuserai pas du tout. Je serai occupé tout le samedi, tout le dimanche, donc ça aide pas à la fidélité, tu vois. Et j'en suis navré, mais bon, j'ai des obligations auxquelles je peux pas me défaire. Ah oui, j'ai pas pensé, du coup, samedi prochain, il faudra que je fasse autre chose qui te faille, moi, du coup, puisque tu seras pas là. Eh oui, va falloir que tu te débrouilles, mon pauvre, et que t'improvises, mon cher Funfan. Mais je t'avais donné mon calendrier large, mais c'est vrai que t'aimes pas quand je te donne trop loin, tu préfères avoir un rappel toutes les semaines. Sauf que c'est pas dans mes méthodes de travail. Moi, j'arrive avec le pavé, pouf, les 3 premiers mois, c'est comme ça. Je prévois vachement à l'avance. Bref. Ma mémoire, elle est pas sensible. Oui. Bref, Funfan, Aeroster, la Jet font le podium, suivi de Delta, Nashevman et moi je ferme la marche. Course suivante. Oui, tu disais. Ouais. J'ai pas acheté l'extension à la naissance. Non. Ouais. Ah là là. Point d'exclamation. Play. Encore un Coréen. Oh là là, c'est inouï. Ah mais il triche, j'en suis sûr. Je sais pas, mais. J'en avais peut-être vu un il y a longtemps, coréen, dans leur camp mondiaux, mais là, c'est un festival. Normalement, leur jeu en Corée, c'est... pas Starbound. Star... Je sais plus quoi, là, la stratégie à la Command & Conquer dans l'espace. Starcraft. Voilà. Starcraft. La mémoire me revient. Point d'exclamation play pour votre bibi.
Relax. Tidalidalou. Ah, ça y est, ça va partir. 10 secondes. Ah. Alors, halt. Attends, je vais bien me rasseoir là parce que je suis affalé, je suis en train de me bousiller le dos. C'est pas bien. La posture que j'ai prise est pas la bonne. Voilà. Ah tiens, je vais même peut-être m'avancer. Alors pardon, vous voyez plus la webcam, mais je m'avance un peu, c'est mieux pour mon dos. Pourquoi j'ai fait ça, moi? J'ai donné un mouvement de souris, j'ai pété la langue de caméra. La 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 la. En une dose, oui, ça va être assez vite tracé le circuit là. Ah. Oh, j'ai remporté la course. Suivi de Nashman et de Elshit. Suivi hors podium d'Aeroster de la Jet Fun Fan et Delta devrait finir. Oh, c'est arrivé de fou. C'est votre humble serviteur qui remporte la course. Ouais, mais bon, il n'y a toujours pas de record mondial qui tombe. Ah là là. Allez, c'est parti, point d'exclamation play, alors que le décor de fond est bien sombre. Record mondial en 1.25 quelque chose. Oula, oula, Ben the Boss Jackson, Snappy Picturesque City. Quel nom de fou. Alors, pour ceux qui se posent la question d'ailleurs par rapport au jeu, mince, j'ai oublié de faire le start, voilà, le chrono. Pour ceux qui se posent la question par rapport au jeu, les noms des pistes, vous pouvez pas, vous, quand vous êtes créateur de la piste, vous pouvez pas saisir. Vous devez piocher dans une liste. Il y a trois listes, en fait, et vous prenez un mot dans chaque liste. Ce qui fait que vous avez le nom du créateur suivi de trois mots, entre guillemets, presque au pif, piochés dans la liste. C'est d'ailleurs ingénieux de la part des concepteurs parce que ça évite justement des messages subliminaux ou des horreurs qui auraient pu être saisies. Et encore, ils prennent un risque. Je me demande s'il n'y a pas eu des dérapages parce qu'il y en a qui signent proprement leur carte avec des effets laser, machin, ou des éléments de jeu. Ils arrivent à composer des caractères. Je présume qu'il y a une inspection par la communauté de joueurs qui signale ceux qui font des trucs pas jolis jolis. Au final, ça reste un jeu vachement plaisant, c'est ça qui est bien. Bah tiens, on va suivre ta bille secondaire, Fun Fan, une fois n'est pas coutume. Oula, c'est quoi ce décor de fou? Waouh! Ah oui, c'est bien la Snappy Picturesque City. Waouh! Très original! En plus, on voit que c'est des formes géométriques simples qui ont été astucieusement pilées et texturées. Et ça fait vachement bien. Il y a des malins. Ah, j'aime bien. Par contre, faut pas être épileptique ou... Parce que ça t'en met plein la vue, là. Oh la vache, les formes et les couleurs. Waouh, le travail d'artiste. Ouh, là il y a un bug de texture. Il y a... Ouh là là. Ça sautille, ça fait flipper. Là, la superposition de texture, il faut vraiment pas être épileptique. Oh, il y en a d'autres qui arrivent au loin. Oups. Oups, oups, oups. Ah, ça fait un peu bobo le cerveau, ça. Attention.
J'avoue que qu'il faut pas être épileptique. Eh oui, mon pauvre Allo. Eh oui, bonsoir à toi. Effectivement, si tu regardes là, je dis heureusement que je te préviens parce que comme tu fais partie des sensibles, c'est délicat. Allez, Elchi te gagne, suivi de Fanfan. Oh là, coup double. Troisième, j'ai même pas le temps de lire. Ah bah c'est moi. Hey Roster, Twinsen, Nashevman, Delta et Lajed ferment la marche. Oh, on est déjà en route sur l'avant-dernier tracé. Oui, tu me diras, on est en route déjà vers les 21h. Il reste combien de tracés? Deux. Non, ça va. Celui-là se boucle avec le record mondial de Vicky Romero en 1:30. Visiblement, il a fait une Ah, 13. je le connais. Je l'ai Comment ça? croisé chez Carlo Anthony une fois. Vicky Romero, c'est vrai? Oui. Ah ouais. Je crois que c'est chez lui qu'il a fait le record et après on l'a plus vu. Déconne pas. Énorme. Je plaisante. Ah bon? Non mais je suis prêt à te croire parce qu'il y en a, ça arrive. Hein. Oh là, le nom c'est Yizuz. C'est imprononçable. Yizuz. 24 Racing Fairless Foundry. Peut-être qu'un jour Aeroster fera le jeu des billes. Hein. C'est vrai que maintenant qu'il a un ordi, c'est pas impossible. Mais est-ce qu'il adhère à. Oh, c'est le perso de Pac-Man. C'est un fantôme à Pac-Man qui est dessiné. C'est rigolo. Je pense que je suis le seul anti-Steam sur cette planète. Donc je pense qu'Aeroster y adhère. Oui, je sais Et pas. Aeroster, Pardon. t'entends? Il peut nous donner quelques explications pour éclairer nos lanternes. Bah, si ça ne dérange pas de faire une saisie de clavier et de Ça me ne dérange pas, répondre. bien sûr. Bah oui. Je trouve que ce n'est pas indiscret, moi. Mais... Non, je pense pas non plus, mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bien que je conçoive parfaitement, il y en a qui adorent participer, mais qui ne se voient pas animer sur leur propre chaîne le jeu de Bibi. Parce que c'est vrai Ah, que de réussir à animer, c'est pas évident. oui. Là, même moi, vous voyez, je commence à fatiguer un petit peu en fin de journée et je commence à laisser des blancs. Mais bon, en même temps, c'est des blancs qui sont reposants. Oula, ça se bastonne dans le conduit aérien là. Ouh. Ah, Ah, fun fan, oui. je te demandais si un jour tu pourrais faire Marvel en stream ou pas sur ton antenne. Je vais l'écrire peut-être. Hey, Roster est devenu sourd. Il a entendu trop d'âneries ces derniers jours. Il n'en peut plus. Oh, Nashevman! Qui remporte la course suivie de Delta et justement d'Aeroster. Ah, c'est bon, Suivi tu m'as de répondu, merci. Elchit, le sage. Donc moi. Twinsen et Funfan, tu seras à la traîne. Ouais. On peut T'arrives pas tout doucement. interdire une scène. Mais non, oh, fun fan. Bah, il veut m'interdire mon compte secondaire. Ah, Si je... occasionnellement, dit Aeroster pour les bibis. Ah ouais, on verra. Ça peut être sympa pour finir une session, bah, comme je le fais là, de direct. Ça peut être sympa comme bouche-trou, les bibis. Puis ça reste un jeu populaire. Oh quoi, Halloween? Mince, j'arrive pas à lire. Point d'exclamation, play, c'est la dernière! C'est la dernière. Allez-y. Halloween, je sais pas quoi. Oula, alors là, le pseudo est imprononçable. My friend Tenning Town. Ah, pardon, quelle horreur. Je viens d'avoir un rototo soudain, violent. Il me Excusez-moi. vient un jeu de mots, Oui. Aerowind. Pourquoi pas? Je vais le Entre récupérer. l'héroïne et Winner, c'est Oh. l'Aerowind, la nouvelle drogue. Mais non, mais non, mais. La drogue des winners. Oui, non, Plane mais. avec un aéro en plus, tu planes. Moi, je suis en train de... C'est quel jeu vidéo que t'avais fait là où qui disait la drogue c'est pour les perdants? Ah non, c'est pas toi qui l'avais fait. C'était Non. le FMV célèbre avec Melissa Milano là. Non, pas Melissa Milano, l'autre starlette des séries américaines qui est Alissa. malheureusement décédée. Dana Plato.
qui faisait la grande sœur dans Arnold et Willy. Elle a joué dans Le Piège de la Nuit, là, pour les filles. Night Trap, c'est ça, Le Piège Nocturne, Night Trap. Ah, j'aimerais un jour faire ce jeu, mais je ne l'ai pas trouvé sur PS4. Il faut le chercher sur le PSN anglais américain. C'est dommage, ils ne l'ont pas mis. Surtout que le jeu a été adapté en français, ce que je ne comprends pas, mais j'aimerais un jour faire Minecraft. Night Trap. On a l'impression que tu dis Minecraft. Night Trap. Si je commence déjà à avoir du mal à parler alors que je ne suis pas en stream, je ne sais pas ce que ça va donner. Bah, ou tu forces un peu, tu dis night, c'est pas difficile de dire night. Et tu dis, tu penses à une trappe. Night trap. Ah ouais, voilà, c'est déjà mieux. Merci. Oui, si tu le fais, ça va être rigolo parce que c'est un pur nanar. Ça ne déplairait pas de le revoir une énième fois. D'ailleurs, si Twinsen a des sites chelous où on peut le trouver, je dis pas non. En français. Ah, en français, ouais. Ah bah dans oui. En langue de Molière. Ah bah oui. Oh, ça doit se trouver assez facilement. Bon, après Twinsen, si on peut le faire sur console, c'est mieux, parce que comme ça, t'as pas un 16/9 écrasé. Mmh. Ah oui, Christella qui a envie un jour quand j'aurai une Mega Drive. Allez, chavoir. En plus, il faut que j'achète un Mega CD, même pas une Mega Drive pour le faire. Oui, en plus, ouais. Bah oui, c'est comme ça, un FMV. Full motion video. Ma question est bête. Si j'achète un méga CD, je peux faire fonctionner les jeux Mega Drive quand même. Pas que je sache, non, parce que. Non, attends, le méga CD, ça se greffait à la Mega Drive. Donc il faut déjà avoir la Mega Drive, je crois, je sais plus. Je sais pas si c'est indépendant ou pas. Je me pose la question. Non, non, ça dépend de la Mega Drive, le méga CD. Il y a ça où tu greffais le 32X pour avoir les jeux de la génération dessus. Je crois, hein. J'ai souvenir que ça se greffait. La console, tu pouvais en faire un monstre. La 32X, oui, dit une scène, ouais. Ouais. Bref. Ouais, faut acheter les deux, d'accord. Ok, merci, une scène. Ouais. Après, ça me fait chier, je vais l'acheter pour ça et d'où. Oui, ça va pas loin, tu rentabiliseras pas. Mega CD aussi, dit une scène, ouais, ça se greffait à la Mega Drive. Bref, la course là, Twinsen, Nashevman, Fun, font le podium. Suivi de Elshit, Aeroster, Legend, moi-même, Delta et Christella qui ferme la marche pour son retour. Le résultat du Grand Prix de 16 courses. Et après, je te fais un relais de chaîne. Prépare ton signal, mon cher Fun Fanounet. On va faire du X-Files. Ouais. Oh Elshit, troisième. Oh, votre humble serviteur deuxième. Décidément, j'aurais fait beaucoup de podiums ce soir, j'ai du bol. Oh, Nash, tu es premier, Nash. Je remets ma perruque de blond pour la fin. Oh, Nash a remporté le Grand Prix, c'est merveilleux, je ne sais plus comment mettre ma perruque. Ah, voilà, bouf. Oh, magnifique. Alors, classement final des 16 prix. Nashevman, moi-même, Alchit, Bob. Ensuite, Delta, Aeroster, Twinsen, Fanfan, La Jet, Christella. Une de mes bits secondaires sauve l'honneur. Ça, c'est C'est la J'en ai qu'une, hein. J'en ai pas plusieurs. Hein. Enfin, ma vie s'illumine. La Chevman qui dit ça dépité. Eh ben, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Alors, lui aussi, je fais Alt F4, le jeu de la bille. Je le vire à une violence. Vous avez pas idée. Bah. Ah, vous avez gagné le droit de voir ma tronche mal coiffée. Ah, je fais peur comme ça. Oh là là, je ressemble à rien, c'est horrible. Alors, tu lances ton signal, mon cher Fanfan, s'il te plaît. Oui, faudra qu'on soit en privé, mais oui, je vais le lancer. Oui, ça va venir, t'inquiète pas, je le ferai après. Bref. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Nous, on se retrouve me concernant demain matin sur mon antenne pour du Final Fantasy XIII. Là, on va filer chez FunFan pour faire du X-Files. Il faudra que je vous fasse le commentaire de je sais pas quoi, mais je vous inquiétez pas, je vais improviser. Je vais surtout aller me restaurer et manger, parce que là, pour le coup, j'ai un peu faim. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir s'il y avait des remerciements à faire. Mon Dieu, il se passe des trucs. Oulala, oulala, oulala. J'ai des onglets de Twitch qui sont partis en furie.
Elle est où mon interface de contrôle? Elle est là. Non, j'ai rien de particulier aujourd'hui. Bon, j'ai un Zentix qui a eu la gentillesse de me suivre. Je crois que c'était calme. Non, c'était calme aujourd'hui. Ça fait du bien les journées calmes. Eh ben, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Tu voulais dire? Je me déco pour. Voilà. Bonne soirée à ceux que je ne verrai pas sur le raid. Et sinon, à tout de suite. C'est Redford, mais sans Robert. Je me déco pour le faire en privé. Ça doit être pratique pour draguer, m'en parle pas. Je prends les billets, les filles, l'alcool, dit Nash. Ah bah voilà, une soirée bien remplie avec ça. C'est du joli, ah oh mon Dieu. Allez, je vais provoquer le relais de chaîne. Merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous, bonne soirée. On file pour du X-Files chez FunFan que je vais commenter. Et puis voilà, au plaisir de voir sous vos directs respectifs. Tout de go. Oula, il faut que je. Merci aux anonymes qui regardent. Alors, oula, il y a trop de trucs là. Ouais. Faut que j'arrête la diffusion. Arrêter l'enregistrement. Ah, je crois que FunFan s'est planté de titre.